Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. On a un petit peu merdé la semaine dernière, enfin le dernier épisode qui n'est pas arrivé comme il fallait parce que ben j'ai pas eu le temps de le... Puis j'étais partie, j'avais oublié que je devais le mettre en ligne en vrai. Donc ben il y a eu un petit peu de retard, l'essentiel c'est qu'il est quand même paru, poil au cul. Et maintenant ben, on va reprendre les histoires du Not So Berry, reprendre Pom Pom avec son mec et son premier gamin. Et sûrement un deuxième qui arrive. On verra bien ce que c'est. Voilà. Bon, bah c'était sympa. À la prochaine. Hein. Non, oui, donc... Ah oui, c'est vrai. Nous avons donc le téléphone de Mathias qui sonne ainsi que... Ah, Nila. J'avais oublié son prénom. J'avoue, j'avais complètement zappé. Oh! Bah oui, on le sait qu'elle est enceinte. Mais je suis con, moi j'oublie. Bref, besoin de temps pour soi, vie de célibataire épanoui. Ok, très bien. Donc, nous avons sûrement quelqu'un qui est mouru dans la famille de Mathias, puisque Nila a également le téléphone qui sonne. Ça veut dire que c'est quelqu'un de sa lignée. Et si c'est quelqu'un de sa lignée, c'est forcément... voilà, enfin bref, on s'en fout. Allez, c'est Poitiers, mon zizouille. Alors, c'est Cathy Petit. Mais qui est Cathy Petit? Ah, c'était sa maman. Oui, on sait. Oh, elle pue. Oh bah. Attends, tu vas changer sa couche. Ah, je sais plus, hein, parce que c'est vrai que ça fait deux semaines maintenant. J'ai oublié des trucs. Hein. Sachant qu'on n'est pas du tout au clair avec... avec ses objectifs, hein. Mais pas du tout, hein. On a encore pas mal de choses à faire. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette gosse-là? Une claque! Tu pleureras pour quelque chose. C'est qui, Cathy Petit? Bah, c'est sûrement sa mère. Cathy Petit, Cathy Petit. Oui, je sais, j'ai déjà fait la vanne dans les autres... L'incroyable, pas incroyabilité. Bah non, l'incroyauté, j'ai dit. C'est pas incroyable, c'est ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'elle a? Comment tu peux dire un truc à un enfant qui te comprend pas, mais que quand même... enfin... Vous faire foutre. Bande de Sims 2. Pardon. Oh bah quel chial, je m'en fous, hein. C'est bon, on est pas, hein. Ça suffit. Je sais pas pourquoi elle s'est levée. Pourquoi mes Sims ils font pas leur nuit? C'est pas possible cette histoire. Non, c'est lui qui est triste tous, hein. Oh mon petit, il va falloir faire des pecs, là. Mais c'est déjà ce qu'on avait fait. Oh. Ça me tend tout de suite, moi, les cris de bébé, là. Ce n'est pas possible. Il faut qu'elle aille taffer, là. Oh là là, elle va taffer. Bah, elle n'a pas le temps de dormir. Alors, je sais que ça a été revu, les tenues de travail, mais ça, du coup, c'en est une, on est d'accord? Elle est bizarre. Elle est bizarre ta tenue de travail. Oh! On reçoit des sous grâce à notre application. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais on s'en fout de la neige, mec! Va changer la couche de ta fille. C'est bientôt anniversaire de Nila. Super. Et Pom Pom va travailler. Et Pom Pom va travailler dur. Alors, on a pas mal de choses encore à faire avec elle parce que j'avais complètement oublié qu'il faut qu'on se fasse des amis et des ennemis. Et en plus de ça, on est quel niveau déjà? Niveau 5. Oh, c'est pas mal. Ok. On doit avoir le niveau 10 en programmation, jeux vidéo et mixologie. Et chose que j'ai oubliée, et je sais pas si du coup je l'ai zappé de le faire ou pas, il faut qu'on accepte les propositions des amis. Vous savez, quand ils vous appellent, là, qu'ils vous harcèlent et tout, à faire « tu viendrais faire ça ?» Bah, t'es obligé de dire oui, en fait. Et ça, j'avais oublié.
Et personne ne me l'a rappelé dans le chat, hein. Je vous vois, moi, je vous vois, là. Vous êtes des méchants, là. C'est tout, hein. C'est tout ce que je dis, moi. Mais tu de... Et il a fait quoi aux toilettes, en fait, là? J'ai pas compris. Il a pas été aux toilettes? Hein? Qu'y a-t-il de si drôle? Pomme voit que tout le monde sourit et rit. Mais les fenêtres de chat se ferment quand elle s'approche. Elle peut faire comme si de rien n'était ou demander une explication à son équipe. Ignorer leur comportement, demander ce qui se passe. Eh bien, nous allons faire un petit sondage. Parce que ça sert à ça. Nouveau sondage. Donc, soit on ignore ou on demande. Alors, on va faire un sondage de 1 minute. C'est parti. N'hésitez pas à répondre. Et n'hésitez pas non plus. C'est toujours bugué. Ah, refresh, vous ne voyez pas le sondage popé dans l'espace chat. Et n'hésitez pas à répondre. Genre, elle a dit, ah, il est de ce gamin, je pense pas. Salut Chancia, je suis à génération 9, génération verte. Et avec des bébés bleus, du coup. Bah, bonne nuit, mon soldat, l'enfant. Mon dieu. Toi, au moins, elle va pas t'a fait déguiser infirmière du Lord and Lady. Ah, mais si, je l'ai déjà eu, ça. C'était dans notre sauberie, d'ailleurs. C'était qui? C'était pas Nathalie qui revenait billet chelou, genre avec un CC de Lord and Lady, je crois. On a oublié aussi. Mais qu'est-ce que... Mais est-ce qu'elle a des amis? Car si c'est pas des amis, on n'est pas obligé d'accepter. Bah si, il faut qu'on s'en fasse 5. 5 amis, 5 ennemis. Nous allons donc demander ce qui se passe à 71%. Personne ne semble entendre Pomme. Tout le monde est soudainement très concentré sur son travail. N'osant pas insister, elle laisse tomber pendant encore davantage... Perdant encore davantage la face, s'attirant encore plus des moqueries. Merci. Merci bien, vous êtes sympa. Grâce à vous, voilà. Après, c'est pas grave, elle gagne quand même. Comme même. Et parle à ton chien là, saloperie. Elle va pas tarder à se chier dessus. Ah les bambins, ah les bébés. Comment ça va Pomme? J'ai vu que tu avais fait le buse. Salut, bah Pomme n'est pas là, hein. Bon, y a que lui qui est là, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait des ordures sur elle? Ah ça y est, monsieur est triste maintenant. Non non, tu vas appeler SOS Tristesse là. Dépêche-toi. Faut que ça va foutre. Ah! Qu'est-ce que tu t'occupes, toi? Occupe-toi de tes fesses. 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 Allez! Brrrah! Vas-y, va partager la grande nouvelle à ta sœur. Oh, la ferme, le gosse! Mais occupe-toi de ton gamin, toi là! Ah, c'est ton anniversaire, ma petite! Oui, tu vas fêter tes bougies, hein! Oui, c'est bien! Ah, oh, fait du bien quand ça s'arrête. Ça fait du bien quand ça s'arrête. On va pas se le cacher. Oh, ça y est, elle est en chaleur. Oh, ça y est. Oh là là! Oh mon dieu! C'est la chaleur. C'est la chaleur dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a, le Hulk? Oh, voyons, hein. Réunion de famille. Salut Anne, comment vas-tu? Salut Oscargo. La vie est trop géniale. Quoi, elle discute et en même temps elle fait le taf. Oh, qu'il est beau. Merde, c'est pas le même pull que... Ils ont le même pull.
Qu'est-ce qu'il fait, lui, mes gogoles? Bah, tu me passes l'aspirateur, Jean-Guy! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh là 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 là! Tiens, partage la grande nouvelle aussi, hein, c'est incroyable la vie. Oh non! Hop! Hop! Allez, papa s'occupera des bibous, des biberons. Voilà pourquoi je fais des nurseries, les visiteurs ne me font pas chier. Ça va, j'arrive à passer outre. Salut mamie Oda, comment vas-tu? J'ai l'impression que tu veux des enfants plus tard. Pourquoi plus tard? Non, j'en veux pas tout court. Jamais de la vie, je me pourrirai la vie avec ça, moi. Jamais. Sinon, ça finit en rôti dans le four, moi, je te le dis. Salut, le Hulk, comment tu vas? Oh, ça y est. Oh là là, il va me claquer dans les pattes, lui. Bon, heureusement, on aura déjà deux gosses, hein. Enfin, un sur, le deuxième est en cours de fabrication. Mais on ne sait pas combien. Ah oui, t'as la dalle, toi. Bon, au moins, on aura déjà minimum deux. C'est déjà pas mal. Oh, salut, beau gosse. Comment tu vas? C'est quoi la fleur qui tourne dans le fond? Bah, c'est une fleur. C'est un truc de jardin, normalement, je crois. Mais je trouvais ça mignon de mettre ça dans la chambre. De bambin. J'allais dire, mec, t'oublie pas que normalement tu es juste triste parce que tu... Voilà, tu as perdu ta mère. Ils ont tendance à oublier ces conneries. Hein. Quelle est jolie. Elle nous fait de ses boobs. Tu l'as jamais vue? Mais en fait, ouais, on sait pas qu'elle tourne. Mais ouais, elle tourne. Je crois que c'est un truc de jardin, je sais plus. Après, tira là. Hop. Tu peux parler de ça. Ah oui, ça, tu vas aller aux toilettes en mangeant. Oh bah c'est les vases communicants, à peine ça rentre, ça ressort quoi. C'est... En même temps, c'est des tuyaux, hein. C'est pire que des chats. Hein. Les chats, c'est des estomacs sur pattes. Les signes, c'est des tuyaux. Elle a tout salopé. Oh, que dégueulasse. Mais qu'elle est sale, cette fille. Bah. Et elle l'a cassé, je l'entends. Eh. Franchement. Franchement, voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille, on n'a rien vu. Pomme la grosse dégueulasse. Là où elle passe aux toilettes, attention, il y a tout le monde qui meurt. Voilà, comme ça, elle continue à gagner des skills en jeu vidéo, un peu en programmation, mais pas en mixologie. En mixologie, il va falloir quand même qu'on rachète un bar. Vous qui adorez les bars. Souvenir des toilettes bouchées. Piégé. Ça, c'était leur père qui arrêtait pas de piéger les chiottes. Oh, qu'est-ce que c'était chiant. Qu'est-ce que c'était relou. Alors, je voulais qu'elle discute de mixologie, mais... Ah, si. Ça, elle continue à taffer. Vas-y. Ouais, tu vas pas partager tes astuces de célibataire épanoui à ton mec. Comme même. C'est un petit peu bizarre ce que tu me chantes là. Allez, discuter des derniers jeux. Oh, t'as arrêté pas de chialer à côté, je pense qu'elle a. Ils sont complètement ch'tarbés ces Sims. Complètement ch'tarbés. Ah, Bebs Nicole.
Je m'en s'en fout, on travaille plus avec le Hulk, j'allais dire. On ne joue plus avec le Hulk. Est-ce qu'il aime les jeux vidéo? Après, on s'en fiche, hein. Mais est-ce que vous voulez qu'il aime les jeux vidéo ou pas? Les jeux vidéo, c'est super génial. Et il y a un truc que j'ai oublié de faire aussi que personne m'a dit. J'ai oublié de changer le fond d'écran dans la tente. Et parce que je suis en train de dire, hey, regardez, j'ai sorti mon verre crâne parce que ce sera bientôt Halloween. Et ben, il n'y a personne qui... C'est l'automne aujourd'hui, les enfants! Oui? Allez, il aime mes jeux vidéo. Moi aussi, je tape à la machine en regardant ailleurs. Bravo, Guillaume. J'y ai pensé en plus aujourd'hui. Et en rentrant, ben... J'ai zappé. Non, c'est aujourd'hui. Salut Callisto, comment vas-tu? C'est le 22. C'est today. Today is a day. Today is a day. Oh là là, trop de bonheur. Ils savent plus quoi en faire tellement ils sont heureux. Oh là 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 là, incroyable. Elle est belle notre pomme quand même. La génération verte, hein, ça se voit. C'était quand même la plus belle de tous. Allez, salut le Hulk, à la prochaine. Ce que j'aime pas dans l'automne, c'est les jours qui raccourcissent, la flotte et le froid qui arrive. Le reste c'est sympa. Mais bon, c'est essentiel quoi, j'ai envie de dire. C'est encore les la flotte, c'est pas ce qui me dérange le plus, on va pas se mentir. Mais bon. J'espère que tu rigoles d'avoir oublié, tu vas avoir une fessée. Bah quand tu veux, hein. Parce que tu vas avoir mal à la main, hein. Très mal. Est-ce qu'on a eu presque toute l'année? C'est ce qu'on a eu presque toute l'année. Plus de froid et de pluie. Bah non. Non, je trouve pas. L'humidité en automne, c'est vrai. Bah c'est pas terrible. Hein. C'est pire en hiver. Tant du sud, pour moi l'été, c'est synonyme de trop de touristes et trop de chaleur. Ouais non mais je comprends. C'est un peu le cas partout hein, l'été. Hein. Moi, je suis pas fan des grosses canicules là. Il y en a pas eu cette année. C'est rien que ça, c'est super cool. Mais ouais, je suis pas fan du tout. Eh hey, salut, je sais plus comment elle s'appelle la sœur. Opaline. Ah. Hey, tu vas pouvoir faire. Attends. Passe à Spi. Après, tu vas t'occuper de ta gosse. Pour l'instant, elle dit rien, mais elle va dire quelque chose. D'accord, il le fait avant. Ok, tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. Alors, passer 100 heures sur l'ordinateur. 76 sur 100. Ouf. Mais fastoche, hein. Moi, je te l'ai fait en 2 jours. Hein. Il y en a plein ici aussi. Bon, après, elle ira se coucher. Hein. Évidemment. Regardez ça. Nous sommes pour la parité dans ce Note Sobéry. Non plus, on a eu un temps de merde cet été. Bah après, ça change, hein. C'est oui, ce fut pas le plus bel été, c'est clair. Dans ce zone, c'est l'été indien dans les sans les touristes. Ah, c'est trop bien ça. 100 heures en 2 jours, ouais, exactement. Moi je suis speed, alors j'arrête pas. Salut Jean-Jacques, comment vas-tu? Les crucifix! Les crucifix! Il est content, hein? Il a passé son aspirateur, il est content. Arre! Et la gamine qui fait arre! Arre, arre!
va s'occuper vite fait d'elle. Je crois qu'il va, il lui a donné à bouffer. Oh, puis elle sera grosse, hein. Comme Mélissandre. Cruciflax, mais suis alors votre souci. Vous êtes chiants à tous vous plaindre de cela. Moi, je me plains pas, moi. Je suis contente, j'aime pas la canicule. Donc ça me va quand il fait pas super chaud. C'est chiant quand il fait trop chaud. C'est chiant aussi quand il fait trop froid. Pas en construction en tout cas. Prout ! Fais gaffe, est-ce que je vais rajouter des fessées, sachant que t'as pas eu ton compte, hein. Fais gaffe, hein. Parce que d'ici 2 ans et demi, ça va s'accumuler sévère, hein. Naya. Bon, tu fais que... hein, tu t'occupes, là. Allez. Non, elle avait pas faim. Ah bah, casse-toi. Viens passer l'aspirateur, là, à l'étage, là. T'as des moumounes partout et puis après t'iras te pioter, mon petit. Oh là là, soirée chauffe. Mais il l'a pas fait, ce bâtard. Pardon. Ce gourgandin ne l'a pas fait. Ce malfrat, ce voyou. Ce brigand. Sous ma gueule. Sous ma gueule, elle. Elle s'est chie dessus. Elle a déféqué sur, dans ses pénates. Mais qu'est-ce que cela donc, très cher? La défécation, ce n'est seulement sur le trône. Le trône sur lequel vous montrez, ma chère. Tu viens pas pour Noël? Je viens où? Ça va bien, fatigué? Toi, contente de tes vacances? Oh ouais, c'était bien. Ça va. Il y a eu du beau temps. Comme même. Chose qu'on ne pourrait pas croire tout de suite, mais... Vous avez vu que les enfants dans les Sims pouvaient enseigner les cubes aux bambins. Ah oui, effectivement, ouais. C'est vrai que ça marche pas, je crois. J'avais déjà essayé. Oh là là, qu'elle est belle dans sa chemise de nuit de grand-mère. Incroyable. Tu es magnifique, ma chérie. À manger du riz au petit-déj. Petit sacripant, tout à fait. Après, c'est nouveau ou c'est un bug? J'ai l'impression que moi, je l'ai déjà vu. Hein. C'est un bébé en même temps. Bah oui, c'est vrai. Ça défèque. Ça fait que hurler et déféquer, les bébés. Et vomir aussi. Et salut, Lune Rouge, comment vas-tu? Oh, la bibounette à cucu sale. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais tu vas te calmer, Janine. Va pisser, va donc te soulager la vessie dans ce réceptacle à pipi. Tu es un H. Même à... Oh là là, j'irai. Ah ouais, ça y est, tendu. Hein. Mais ça, c'est chiant, ça. On va encore avoir ça pendant... Pendant 10 ans, elle va se... Elle est là, mon dieu, je suis tendue parce que je suis en couple. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes pas au bon endroit? Mais qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle regarde... Elle est obnubilée par la fleur. Et elle est là, ouais. Eh, salut, c'est comme si moi je vous parlais mais que j'étais comme ça en train de regarder la fleur. Tu sais? C'est bon? Ah non, on a attendu plus 5. Hein. C'est mort, Tadelle. Mais t'as même pas fini ta nuit. Oh, tu m'énerves. Oh, et puis la gamine qui chiale. Oh, c'est bon. Elle va rester 3 ans devant. Donc vas-y. Papa! Ta fille! Elle pleure! Elle aime pas l'amour, c'est ça. Je suis tendue parce que je suis célibataire. Oh bah moi, non, moi on s'en fout, de toute façon. Ah, ça dit bien quand ça s'arrête, ces machins-là. Hein. Oh, tiens, il se souvient qu'il avait une mère et qu'il est mort. Qu'elle est morte, je veux dire, la mère. Mais avant, il savait plus. Mais là, il s'en souvient. Mais tu vas te la fermer! Mais c'est pas vrai! Mais quel relou!
soirée Netflix. Oh punaise, j'ai laissé ça? Je pensais que j'avais oublié, moi, wesh. Bon bah tant pis, hein, il est l'heure de se lever, là. Tu vas manger... Non, non, c'est trop tard, tu vas pas pleurer. C'est trop tard, ça. Il fallait faire avant que tu pleures. Tu vas faire du sport, surtout, Germain. Ah bah oui. Ah, c'est dommage qu'on ait pas de chat, hein, parce que je t'aurais pris le chat dans les bras et tu serais allé courir avec le chat. Mais là, il préfère aller courir avec son bol de pas de céréales, mais de bol de fruits. Mais bien sûr! Mais fais de la pollution aussi, on va rien te dire là! Ah! Salut toi! Comment tu vas, Jess? Tiens, va aller dire bonjour à Jess. Hola! Banane plantain grillée partie! Magnifique. Elle va courir. Ah, tu voulais parler à Jess? Mais tu le connais pas. Par contre, toi, tu vas aller le connaître. Je vous rappelle qu'il faut qu'elle se fasse des amis. Donc Jess, je l'ai désignée comme amie. Ok, arrête. Oh! J'ai coupé le bec à son frère alors que c'est un de ses amis. Oups. Ah tiens, c'est l'heure de la pub sur Twitch. Je vais donc vous balancer une petite pub, une ou plusieurs petites pubs. N'hésitez pas à me dire sur le chat si vous les voyez, parce que ça veut dire que vous soutiendez le stream sans même rien faire, sans même bouger le petit doigt. Et ça, c'est très très cool. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite après la pub. Je pense que en ce moment je suis team modif, j'ai écouté une partie du live d'hier, c'est cool, nouveauté à venir. Ah merci, c'est gentil. Comment s'appelle déjà la gueularde? Nila. Jess Lover, mon Sims actuel. J'en ai fait un nouvel Iowa blond. Ah ouais? Ah, je suis contente, s'il vous plaît, en vrai. C'est pas le plus beau des Sims. Mais voilà, il est... Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pashno. Regardez qui est là-bas. Elle picole. Ça picole. Bah bravo, hein, madame. Ce n'est franchement pas très net de votre part, hein. Ah, bah on a... Craybow! Maisie Grove! Craybow! Merci beaucoup, Utopia! Merci, Chacha! Merci, Petit Cœur! Merci, Mami Yoda! Merci, Callisto! Merci beaucoup pour les pubs! Il y a eu beaucoup de pubs! Je vais gagner beaucoup de centimes! Flibazoob! Ah ouais! C'est vrai que le Flibazoob... C'est ce qu'il y a de mieux. Moi, les Flibezoob, c'est mes prefs. Mais je dis ça comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, mes Flibezoob, j'adore ça. Mais alors, j'adore ça. T'as un coup sur sa barbe. T'as bien raison. Il est trop poilu du menton. Ah, elle a qui en ami en vrai? Ami. Eh mais elle en a pas mal. Nicolas. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est trop petit. Ça en fait 7. Est-ce que on compte son... Enezouk. Question. Ah, Raoul. Question. Est-ce que l'on compte ses frères et sœurs et son copain comme étant des amis?
What's a plavin? Parce que là, on aurait 1, 2, 3 personnes sur les 5 qui soient. C'est déjà donné. Je compte pas la petite. Je compte pas son père. Salut Samantha, comment vas-tu? Elles se sont très bien passées, Samantha, merci beaucoup. Non, c'est trop facile. Je dirais copain, non. Mes frères et sœurs, oui. Non, oui. C'est trop facile, non. Ah oui, c'est sûr que c'est facile. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ces horreurs? Qu'est-ce qu'ils sont moches? Et comment tu t'appelles toi déjà? Myra Watson. Bah, t'es une adolescente. Bon, c'est pas grave, il y a Raoul. Raoul, c'est notre ami. Raoul, c'est notre ami à nous et pas à vous. Et ouais! Lui, il est du père, hein, tout seul. Seul tout, comme on dit dans le jargon. Alors, un petit sondage a été lancé pour que vous puissiez répondre à ma petite question, de savoir si est-ce qu'on compte les frères et sœurs comme amis pour notre petite pomme d'api. Bah, parce que, tout simplement, on a besoin de 5 amis, 5 ennemis. Et au niveau ennemi, nous n'en avons que 2. Et il va falloir qu'on travaille là-dessus. Il y a du taf, quoi, je veux dire. Il y a beaucoup de taf. Il y a un nouveau Medikit qui va sortir. Il y en a même 2, Samantha, qui vont sortir. Il y en a un qui sera sur la mode d'avion, comme si tu prenais l'avion de Corée du Sud. Cherche pas, moi j'ai pas compris non plus. Et un autre qui va être sur le style de rue d'Inde. Si je dis pas bêtise, c'était sur l'Inde. Qui sera nettement plus coloré. Même si ils nous ont sorti que... Mais va pisser, mais t'es con, t'es belge. Pardon, ça c'était dans le Nord qu'on disait ça. Ah bah, oui, on était pas sympa avec les Belges. Hein. Je sais pas pourquoi, mais nous on disait ça dans le Nord. Allez, votez un peu, non, un peu de difficulté pour la fin du challenge. Bah voyons. Je retiens ligne rouge dans mon carnet, dans mon Death Note. Attendez, je le note. Mais c'est elle aussi, moi je lui... Elle va se plaindre qu'elle doit pisser à l'autre bout de la baraque. Elle est bête aussi celle-ci. Bon, elle pue un peu, ça va, c'est pas très con, c'est pas... Hein, c'est pas... Voilà. Après, elle ira prendre un bain. Un bain... De mousse. Voilà, je savais plus. Sinon c'est pas grave, hein. Nous on sort, on se fait des amis, hein. Y a pas de soucis. Alors ce soir, comme de par hasard, c'est la grosse aubergine qui est de sortie. Transformée en produit géant en décoration. Un produit géant en décoration. Ah bon? Mais c'est pas à nous, on va pas le faire. Regardez-moi cette grosse aubergine, y en a plein qui l'ont devant leur petite fessier. C'est un signe, n'est-ce pas? Alors, on compte les frères et sœurs comme copains. Eh bien, c'est un oui à 60%. Merci beaucoup. Ça me donne du moins de difficultés. Je crois que ce produit est de la mauvaise taille. Il est censé être géant, n'est-ce pas? Bah, ça va, hein. J'en ai une d'aubergine, j'en ai acheté aujourd'hui. Je peux dire qu'elle est aussi grosse, hein. Ah, ça, c'est quoi? Une tarte à la... Crème aux bananes. Une tarte aux framboises. Framboise. C'est quoi ça? Petite laitue, mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde, mais non, c'est cloug. Et hop, toi, tu vas te laver parce que tu schlingues la mort. C'est pas toi qui dois te faire des amis, hein, Jean-Claude. Alors. Ça fait qu'on va dire pas que Mathias ne compte pas. Mais on a Raoul, Jess, Opaline, le Hulk. Et Nicolas. Bah c'est bon, on a 5 amis. Allez!
maintenant on va se faire des ennemis. Parce que ça, ça va être un peu plus compliqué. On en a deux, il faut qu'on en fasse 3. Eh ben écoutez, il y a du monde ici. C'est merveilleux. Parce qu'elle va se fâcher un peu avec tout le monde. Oh, Totoya, depuis sa tombe, il m'envoie un texto. C'était mouvant. Moi, c'est mes courgettes qui sont aussi grosses. Oh, la coquine. J'en ai acheté aussi des courgettes. Rien de nouveau, cette laitue roule à la main sous les aisselles. Évidemment, c'est Kloog. Ça aurait pas le même goût, sinon. Allez, les deux, elles sont moches. C'est parfait pour se battre avec elles. Allez, Janine. Par où tu passes? Allez, tu vas être méchante. Présentation grossière. Oh! C'est une vampire! C'est une vampirette! Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es en train de draguer ou quoi? Il est fou, lui. Va courir. Et tu rentreras après chez toi. Ah ouais. On va se fight avec une vampire. Hein. C'est mal barré, moi, je vous le dis. Elles sont dans ton jardin. C'est de la merde. Mais non, c'est Kloog. Merci beaucoup, Nani, pour ton abonnement Prime. Ton 17e mois d'abonnement. C'est un truc de malade. J'ai du mal à me dire que ça fait déjà 17 mois. Waouh! Merci beaucoup, merci énormément! Gros bisous à toi, Smiley des boules! Merci beaucoup pour le soutif! Mais pourquoi tu parles à elle? Je t'ai pas demandé! Tu la connais? Claire Dubois, bah dommage Claire Dubois, mais. Finalement, tu vas te rendre compte qu'on est une grosse connasse! Allez, sans raison, on va t'insulter parce que tu. Voilà! On t'aime pas, t'as une sale gueule. Ouais, toi t'es moche. Toi t'es la pire. Et t'as un maquillage, laisse tomber quoi. Y'a rien qui va chez toi. D'où tu te permets de vivre en fait, alors que t'es moche comme un pouf. C'est horrible ce que je dis. Bébé pleure, bah oui mais j'ai envoyé Jean-Claude pour qu'il s'en occupe, mais je sais pas où il est. Mais continue de courir. Alors quand on lui demande de courir, il court à peine 3 mètres. Et là, bah, il court 3 millions de kilomètres quoi. Arrête de chialer et va changer le cul de ta fille. J'ai déjà vu des vaches préparer des tartes plus impressionnantes que celle-ci. Mais je m'en fous de ton avis, toi. T'es qui? Je te connais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça, comme même. Alors, méchant, on va continuer, on va offrir un cadeau méchant, parce que nous sommes quelqu'un de méchant et malveillant, n'est-ce pas? Toi, t'es moche, finalement, donc je vais pas t'aimer. Non, je vais être méchante avec toi. On va t'insulter. Et on va te crier dessus. Non seulement t'es moche, et en plus t'as un style de merde. Franchement. Tiens, un petit cadeau! Oh, c'est un P! C'est un gros prout bien odorant. Tu l'aimes? Et je l'ai roulé sous les aisselles aussi, celui-là. J'aime bien faire la méchante avec les Simpsons, c'est trippé. Elle accouche bientôt, pom-pom. Non. Troisième trimestre dans 4 heures, il y a le temps. Il y a encore beaucoup de temps, ne soyez pas pressés. La fatigue vous fait faire beaucoup de choses. Ils sont tous les plus connes. Tu sais pourquoi t'es aussi moche? Parce que ta mère elle s'est fait entuber par un Ken Lama. C'est pour ça que t'es un gros pif. Moche t'es. Ouais.
comprends pourquoi on me dit que je suis malveillante. On dirait la vieille rombière de mon bâtiment à se plaindre sur tout. C'est moi que tu parles ? Je suis la vieille rombière. Je suis une vieille rombière. Kanchichi. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Tiens, on va t'offrir un paix aussi, parce que nous, on aime bien offrir des paix. Sur les quiches. Non, c'est vrai que vous avez dit que vous vouliez plus que je chante. Elle fait fuir tout le monde, bah, c'est normal. Un paix. Un paix. Ah, celui-là, il était fait avec des poireaux. Ouais, ouais, je les ai fait fermenter moi-même et tout mon tour. Salut Mélodie, comment vas-tu? Oh, t'inquiète pas. Don't worry. Et merci Crazy Juju pour ton follow et bienvenue à toi. Eh, vous avez voté oui pour le chant. Zut, je pensais que vous aviez oublié. Tristesse infinie. Bon, on est bien. Non, on s'en fout que t'aies froid en vrai. C'est pas vrai, t'as pas froid. Tu n'existes pas. Donc c'est pas vrai. Ah, ça lui fait de ses ins quand même. Ah merde. Salut la Ligue Gaga, comment tu vas? C'est un seul qui ne voulait pas que tu chantes, pas tout le monde. Bon, ça va alors. My goodness! Eh, elle veut faire la génération bleue en avance, regardez-moi ça. Oh, qu'elle est belle. Ah, c'est vrai que vous avez le chat, vous. Oh, qu'elle est belle. Elle est toute bleue. Toute bleue et verte. Qu'elle est jolie. Elle est en train de mourir de froid. C'est vraiment pas cool tout ça. Elle va mieux, elle va pouvoir agresser encore les gens dans la rue parce que c'est une thug. En hommage à son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, Pepper, qui était aussi une thug. Demandez si à Myra, quel est son problème. Vas-y, quel est ton problème? Je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas ce que ça va faire, mais... Ouais, c'est quoi ton problème? Bon. C'est super, je suis ravie de revenir sur tes lives. Avec la rentrée, c'était compliqué. Et bah écoute... Oh là! Personne ne meurt, vous inquiétez pas. Je n'ai vraiment pas très envie de te voir en ce moment. Je me sens juste amère à propos de certaines choses. Je ne finirai pas... Je finis par les oublier ou pas. C'est bon, on est ennemis, quoi. Raoul? Raoul, il s'est engagé dans la flicaille? Ah ouais? Bah dis, sexy quand même, hein. Mais c'était pas cette génération-là, mon petit. C'était celle d'avant qui aurait dû être flic. Quelle tristesse. Déclaré qu'à minuit. Ah. On peut pas cracher sur quelqu'un. Tu peux péter sur quelqu'un, mais tu peux pas cracher. C'est triste quand même. Moi, j'aimerais bien cracher sur quelqu'un. Bon, après, elle a bien fait, elle a bien travaillé. On va rentrer chez soi. Non, mais non, elle va pas mûrir. T'inquiète. Raoul flic, eh ben un scoop. Elle reste sympa vu que c'est Pomme, vu ce que Pomme lui a fait. Oui, oui, je pense aussi. Bah, elle est très en colère, elle va faire caca très 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 mou. Hein. Alors j'ai vu pour la pub, je vais attendre un petit peu parce qu'on a envoyé déjà une pub tout à l'heure. Donc je vais attendre un tout petit peu. Fait caca en colère. Ah, ta fille qui gueule hein, pour changer. Elle fait caca. C'est à ce moment-là qu'il faut sûrement pas lui mettre sa fille entre les mains, parce que sinon elle serait capable de la couper en deux.
Ce serait marrant que ce genre d'interaction. Mais bon. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Non, ça va. Ça va, il s'en occupe. Bon, après, mon petit, tu viendras faire le ménage, hein? Nous, on est pour l'égalité des sesques, hein, ici. Puis tu mangeras ton reste d'une donigiri, en vrai. J'ai pas fait. Combien on a d'ennemis, alors? 3. Ah, bah elle est pas mal non plus, en vrai. Amour en conserve. On peut mettre tellement de sentiments dans un petit pot. L'offrir à Lucie fait battre à 100 à l'heure le cœur de pomme. Vous êtes bizarre quand même, là je... Alors, rancune tenace, ennemi juré, ennemi rancune blessé. Ok, super. Comment va Philippe? Ennemi juré. Et Pierre, ennemi juré. Donc nous sommes à 3 ennemis. Elle, on va essayer de retravailler dessus. Et puis on va prendre quelqu'un au pif pour faire le cinquième, hein. Ce sera pas mal aussi, hein. Non, t'as encore du taf, mon petit. Toi, en vrai, est-ce que t'as le temps? Je suis pas sûre. Joue à Frénésie des Fêtes, une petite partie, là. Il est 3h du matin, c'est pas grave, c'est le week-end. La grâce m'a été permise. Tant que lui, il s'occupe de la petite, tout va bien, quoi. Et salut, Jess, comment vas-tu? Je vois pas en quoi le jeu s'appelle Frénésie des Fêtes. Mais vu que c'est genre du golf... Est-ce que c'est un vrai jeu, ça? Il y avait un ça dans les... Je sais pas. Un jeu Sims ou je sais pas quoi. Il y en a qui sont mieux calés que moi. Hein, donc, Bowling. C'est un strike, messieurs dames. Ouais, c'est un peu nul comme jeu. La pauvre gosse dans le salon. Bah quoi? Bah moi je trouve que ça va, hein. Elle pourrait être dans la cave. Parce que je peux pas... Parce qu'en vrai, c'est chiant parce que... Quand ça gueule comme ça en pleine nuit, c'est bien quand c'est là-haut. Mais après, la journée, il faudrait qu'on le bouge à chaque fois, le perso. Et si je le mets ici, c'est-à-dire que après ça va emmerder quand elle sera bambine et que le deuxième va hurler. En gros, voilà. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, ils m'ont cassé encore des trucs. Les toilettes. C'est vraiment... Encore ? Qui c'est qui est mort ? Louis l'écolo. Oh bah vas-y, maintenant c'est son père. T'inquiète, elle est passée par là aussi, Pomme. Hein. Elle a perdu les deux coups sur coup. Hein. C'est pas bien grave. On connaît la chanchon. Ah ouais, non, mais là, double pénitence pour Mathias, hein, qui a perdu ses parents. Voilà. Quelle tristesse. Hein. Je vais en profiter pour enregistrer, parce que je l'avais pas encore fait. Ce serait dommage. Elle a pas de chambre. Ah oui, si, si, quand elle sera bambine. Dans la cave, ce que je proposais à mon fils ce soir, qu'on pouvait plus mettre un pied dans sa chambre. Bah oui, mais il faut que ça serve aussi. Hein. Après, si t'as un grand congèle, ça peut se négocier. En pliant intelligemment ses membres, ça peut rentrer. Hein. Hep, dodo. Et c'est une petite rouquine, rouquinette comme ça. La petite Nila a grandi. Oui, oui, oui. Oh putain. Là, elle a les yeux bleus de papa et les cheveux de papa. Non, elle a pas les yeux bleus de papa. Elle a les yeux bleus verts de maman. Parfait.
Salut Jean-Jacques, bonne soirée à toi. J'ai un bébé dans la chambre d'un bambin et quand bébé pleure, ça réveille pas le bambin. Eh ben écoute, moi ça réveille 100%. Oula! Elle est triste. Oui, après les cheveux, on s'en fout. C'est pour ça que je parle que des yeux. Bah, elle est rousse, c'est cool. Mais les cheveux, on s'en fiche, j'avoue. Les yeux turquoise, très beautiful. Bah oui! Ben oui, elle est pépette! Regardez-moi cette petite bouille! Aïe, 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 aïe. Ça joue encore aujourd'hui, mais moi, c'est à 100%. On l'a vu avec le Legacy, à chaque fois, ça les réveille. À chaque fois. Nila a donc vieilli. Je regarde comme ça, bleu. Ben ouais, ça pourrait être ces trois-là, mais on va faire au pif, hein. Et ce sera 1, 2 et 3. Méchante, enfin pénible. Pff, ça changera pas d'habitude, hein. Et ça y est, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut mettre le bazar. Ben voyons. Ça va pas aller du tout, cette histoire, mademoiselle, hein. Qu'est-ce que c'est? Tu vas aller faire un tour? Tu vas aller, qu'est-ce que c'était tout partout? Tu vas aller, qu'est-ce que c'était? Voilà. Tu vas aller, qu'est-ce que c'était dans toute la baraque? Oui, qu'est-ce que c'était? Oui, c'est un. C'est un verbe qui veut dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié qu'il y avait des cadeaux. Être impatiente. Ouvrir un cadeau. Et voilà, Nila a grandi. Première possible héritière de la génération bleue. Oh, il est déprimé, chaton. Ah! Eh! Ça commence à se dessiner, les mucles! C'est bien ça. On va pousser un peu de fonte, et puis monsieur sera pas mal. Hein. Ça a été corrigé? Ah! Moi aussi, quand je joue, les bébés n'auraient pas les bambins. La porte d'entrée gigantesque. Bon, ça va. Une petite porte tout nette de via la campagne. Voilà, elle a fait son petit tour. Bon, toi, Janine, tu vas aussi te lever parce que tu dois encore taffer, hein. Hop, hop. Accouchement. Ah, dernière ligne droite. Juste ce qu'il faut, par contre, c'est plus Noël. Bah, c'était le nouvel an! C'était le nouvel an. Bah, ils viennent juste de passer au printemps. Hein. C'est le premier jour, là. Tu m'excuses, c'était encore les fêtes. Hein, sachant que normalement, on est encore en hiver. Sauf qu'aux États-Unis, quand ils fêtent la nouvelle année, le lendemain, c'est le printemps. C'est-à-dire qu'ils passent du 1er janvier, enfin, du 31 décembre au 20 mars. C'est incroyable. Les États-Uniens sont incroyables. C'est vrai, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et on sait que les Sims, c'est la vraie vie. Donc, un kit de médecin Billy Bobo! Mais l'autre, là... Elle a ouvert un cadal comme ça. Mais attends, Jeannette. Viens, viens manger un truc. Viens ici. Papa, oh, tiens, tu vas bouffer ça va bien te tu vas être repu avec ça. Ah bah écoute, tu peux faire le ménage. Toi, Ginette, un petit pipouze. Et puis tu vas taffer. Il faut qu'elle taffe beaucoup plus. Voilà, programmation, jeux vidéo, mixologie. La mixologie, elle est un peu en retard, on n'a pas de bar. On va lui mettre un bar. En même temps, c'est le printemps. On peut y aller et installer un bar dans le jardin. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ouais. Ouais. Un bar vert, évidemment. On avait mis ça, hein, c'était bien. Bah, après que les autres sont moches. Hein. C'est vrai que les autres sont moches.
On va le mettre ça dans la chambre. Rien n'affiche. Rien n'affiche. Comme ça, elle ira taffer son... son traîneur. Voilà, elle ira taffer ça. Et ce sera très bien. Hein ? Coucou Jamie, tu dis bonjour aux abonnés de YouTube. Je sais, t'as dit bonjour aux abonnés tout à l'heure de Twitch. Allez, un peu de bonne volonté. Un peu de bonne volonté, j'ai dit. Coucou YouTube. Salut YouTube. Vous allez bien ? N'hésitez pas à mettre le like. Le like. Là, je suis en train de montrer mon pouce. Parce que, attendez. Le like. Là, c'est son pouce, là. Et un commentaire, ça fera du bien à l'algorithme YouTube. Salut. Il est gentil, hein. Il soutient sa maman. Hein. Oh. Wow. Ah, merci. Moi aussi, quand je joue, les bébés ne réveillent pas les bons mains. Je décale les jours, moi, pour que ça colle. Oui, mais en vrai, voilà, j'ai rien touché. Et... Eh. Faites du footing, hein. Faites du footing, ça... Ça rend, ça vous rend fit. Salut Béanaïs, comment vas-tu? Trop chaud mon chat, mais oui. C'est le petit Jamie. 6 mois. Ouais. T'es encore un bébé. Hein, oui. Tu es encore un bébé. Et il adore faire des câlins, maman. Ah bah elle est contente, hein. Elle a eu ses cadeaux. Cadeau parfait. Mais t'as pas encore l'âge, me biche. Après, si tu veux réflexionner, tiens, tu peux réflexionner. Ah non, tu peux pas réflexionner là-dessus. La poubelle. La poubelle. Go pour la poubelle. Et puis tu vas refaire un petit coup de qu'est-ce que c'est un peu partout là. Non, ça, non. Ah, la gazinière. Qu'est-ce que c'est la gazinière? Qu'est-ce que c'est le frigo? Ah non. Le frigo, ça marche pas. Cette pauvre enfant. Maman, picole. Papa, court. Et elle est laissée à l'abandon. À regarder. Mais qu'est-ce que c'est la poubelle? Allez, du coup, comme il y a tout à l'heure, il y a une pub qui a été demandée. Je vais vous la passer maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat pour dire que vous avez une pub. Puisque sans rien faire, vous soutenez le stream, tout simplement. Sans débourser quoi que ce soit de votre petite popoche pour que ça tombe dans la petite popoche à moi. Donc, eh ben merci. Et à tout de suite après la pub. Je vous dis bonne nuit, je vais avec la rediff. Pas de soucis, Line Rouge, des bisous à toi, bonne soirée, repose-toi bien. Avec plaisir. Hop là. C'est bien Stream Deck quand même. Pas déconner. Bon bah écoute, mon petit, tu vas pouvoir rentrer chez Watt aussi, hein. Divertissement, ben... Ah tiens, en divertissement, tu pourras apprendre le pot à ta fille. Et je pense qu'on va pouvoir faire bientôt une prédit pour comment elle s'appelle déjà? Pomme. Madame Pomme et le chiard qui va suivre. Footing, non, la dernière fois j'ai couru pour traverser la rue, je me suis ramassé une pelle. Oh la vache. Ben, moi je cours pour choper des bus, mais... J'ai failli louper aujourd'hui là. Il était censé passer à 20, il est passé à 12. Comment voulez-vous que je sois à l'avance? Il est arrivé, j'ai couru tout, Je fais signe. Bah oui, bah regardez-moi ça, là. Ce feignant de chat, là. C'est bien, ça, la picole, le dimanche, hein. Tranquille, hein. Ah, oh, les boobs que ça lui fait, c'est un truc de fou. Où en es-tu? On va aller jusqu'au niveau 8. Non,
Aussi. Oh, on est obligé de dire oui à tout, hein. Malheureusement. Elle ne peut pas boire, donc elle fait de la mixologie, c'est ça. Bon, j'avais dit qu'on accélérait un petit peu. Il s'occupe de sa fille? Non, il regarde la télé. Apparemment, il lui a appris à aller au pot, c'est déjà ça. Elle est où? La gamine? Oh, la fée! Elle a fait de la connerie, tu vas discipliner ça tout de suite. Tu vas lui hurler dessus, au moins elle va comprendre. Elle n'a pas à faire tout ça, la petite idiote qu'elle est. Après, tu vas la réconforter, tu vas lui passer un savon. C'est le truc. Le mec, il est. Et tu vas lui faire des grimaces. Quand j'étais étudiante, il y a une erreur d'affichage en gare, je me suis retrouvée à l'opposé de chez moi. Oh bah super. Hey, tu vas jouer après. Et que flouf? Et que flouf? Regardez-moi cet alcoolique là. Et on la connaît, donc elle est pas anonyme. Ça va arriver là. Petit niveau 8. Allez! Prêt, t'ira pisser, manger. Et on doit encore se faire un ennemi, hein. Si tu, je... Un... Deux ennemis. Lucie, si on arrive à la choper. Il n'y a pas les pas dans le quartier. Est-ce que Claire est dans le quartier? Non. Est-ce que Meilani est dans le quartier? Non. Raphaël? Non. Marina? Simon? Et dumps ça pas le ground. Luc a répondu les ragots juteux sur Caroline. Mais qui est donc Caroline? Tu vas raconter une histoire drôle. Pourquoi tu t'entends pas avec ta gamine? Tu l'as pincée, on l'a vu, hein. On l'a vu, Mathias, tu l'as pincée, ta gosse. Bon, super. Finalement, je voulais qu'elle aille lui parler, et ben il veut pas. Présentation grossière. Mickey Bra! Bra! Oh, la petite. La petite gourgandine. C'est vrai qu'elle est pénible. Là, là-bas. Là, tu t'endors, là, un petit peu, non? Ah, oui, hein. Tranquille, hein. Oui, quoi? Ben oui, mais tu vas pas pouvoir rester là, hein, je te le dis tout de suite, hein. Il dort. Il s'endort. Il tue. Et si je lâche? Je le lâche, les enfants, ou pas? Attends, je vais faire pareil que dans les Sims. Ouh. Mais je peux pas te mettre sur mon dos, tu vas m'arracher la peau, je le sais. Je le sais, il va m'arracher la peau. Ça y est? Qu'est-ce qu'il te raconte? Il te raconte de la malice là.
T'es plus forte que lui, hein. Vas-y, tu vas le railler. Tu vas le railler, tu vas l'insulter. Tu vas lui crier dessus. Surtout pas s'excuser. Tu vas lui offrir un paix. Saveur chorizo. Ça y a un peu de piquant dans le chorizo. Avec sa patte, elle a l'air de dire « S'il te plaît, laisse-moi dormir sur toi. » Il y a des gens qui pensent que les chats sont pas câlins. Ah non. Ah j'ai les... Moi, ils sont tous été câlins, les miens. Il est tombé. Il a glissé. Je vous rassure, je l'ai rattrapé. Hein. Il n'est pas non plus... Il s'est pas fait mal. Nibar a l'air. Ah, il se laisse pas faire, hein. Offre-lui un autre paix. Quelle saveur le paix vous voulez lui offrir? Ah ben lui en offrir deux, tiens. Des bisous, Camillette. Bonne nuitée à toi. Bah, il y avait rien dedans, il y a même pas de prout. Juste gaffe à pas. Tiens, encore un autre. Tu sais, c'est les. Voilà, ça c'est le vrai P, ça. Ah, on aime bien les proutes, hein, nous ici. Écoutez, on est un peu bêtes sur les bords, mais on aime bien les P. Tiens, dans ta tronche. Par contre, tu c'est quelqu'un du quartier, donc c'est pour GG, hein, ce que tu fais, hein, cocotte. Je sais, c'est moi qui le fais. Mais il faut pas le dire. Oh là là, vous cassez tout, vous. Non, j'ai fait go away. No, don't go away. Please stay here. Oh, I'm sorry. You don't have to leave now. Please, stay a little bit. Please, stay. We're gonna have for you a gift. A really good one, this time. Prezu favu. Et Raoul il rigole derrière, il fait oh un voix prout, oh, qu'est-ce que c'est marrant. Krez wrong borb. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces Sims. Vas-y, tu peux que lui offrir des cadeaux méchants, bah tu vas lui offrir des cadeaux méchants. Des proutes et des proutes prout prout. Je voulais en offrir un. Ah, si, on peut. Vas-y, un dernier. Saveur maroilles faisandé. Elle est morte de rire. Oh, la vache. Elle est morte. Oh, que je ris! Que je ris! Que je suis espiègle, voyez? Eh, génération verte, hein! Regardez, la fumée verte. Tout est lié. Tout est lié! Elle est trop belle, en plus, quoi, elle rigole. Ah, il me faut pas grand-chose, moi. Bon, bah, allez, rentre chez toi. Qu'est-ce qu'elle fait dehors, elle? Mais elle va se faire kidnapper. Il y a des violeurs, tu sais, dans les Sims. Non, il y en a pas. Moi, j'en ai mis. Non, je rigole. Un truc horrible. Au secours. Un truc affreux. Voilà, tu vas épicer, Janine. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais pas censé... Ah si, il a fait le ménage. Tu peux nettoyer là aussi, hein. C'est pas interdit. Ah, elle est crevée la petite. Ouais, enfin, je l'aurais quand même nourrie avant, mais c'est pas grave. Hein.
est-ce qu'on peut lancer la prédit? Elle a pas été faite la prédit. C'est dégueulasse. Mais non, vous inquiétez pas, tout va bien. Il n'y a rien de dégueulasse dans la vie. Tout est naturel. Les proutes, tout ça. Les caca. On a vu ce son derrière, c'est magnifique. That's marvelous. Magnifico marvelous. Parce que là, elle va aller se coucher et à mon avis, ça va être très rapide. Et lui, encore en deuil pour... Encore 2 jours, mais... T'habites en Normandie, mec, t'as un problème avec l'espace-temps, quoi. Hop, je réenregistre. La prédiction, elle est toujours pas lancée. Ou alors je l'ai loupée. Mais non, est-ce que vous avez pas écrit? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas te lever pour jouer, Jean-Claude! Oh, je... Tout est normal! Hein? Tout est normal. Ne cherchez pas. C'est l'heure de l'accouchement. C'est l'heure de l'accouchement. Nous allons avoir un nouveau bébé. Elle va pisser. Tu peux te lever, toi. Tu sais que c'est maintenant. Ah oui, là, mais la soirée Netflix, j'avais supprimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Don't worry. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au travail. Mais tu vas pas aller au boulot? Tu vas avoir un enfant. C'est peut-être plus important d'aller au taffé, j'allais dire. Attendez 2 minutes. Tabarnak. Y'a pas eu de prédiction. Minutes pour l'après-dit, c'est parti. Non, c'est bon, Martial. Vous avez 2 minutes. Et moi, je vais en profiter pour aller pissoyer également. Donc, je vous laisse avec le suspense. Et quand ça suce, ça pense. Je vous balance une petite pub. Et à tout de suite.
Et I'm back. Oh, fait du bien par où ça passe. Salut, comment vous allez? Bonjour. Bonjour. Pour avoir une pause avec Jamie plutôt. Ah ben non. Ah ben ce n'est point possible, mes petits enfants. Alors, prédication, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le bidon? Un garçon à 73%, une fille à 27%. Garçon, vous avez balancé 64 000 points, vous êtes 6, et le plus gros pari, 40 000 points. C'est qui s'y met? Ah oui, carrément. La vache. Ah, ça, c'est beau, ça. Et pour la fille, vous êtes méchant, moi, je veux une fille, hein. Souvenez-vous que les deux générations vertes et violettes, je veux dire vertes et bleues, doivent être féminins. Hein? Et pourtant, une fille, vous êtes plus à avoir voté parce que vous êtes 11, mais vous avez balancé que 24 000 points au total. Et le plus gros pari, c'est 6 000 points. Et c'est Anne qui a balancé 6 000. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Are you ready? Répondez pas tous en même temps, évidemment. Non? Bon, ok, j'attends un petit peu alors. Go, pas sûr, yes, ouais. Oh, je suis pas sûr. Tu peux faire un sondage pour savoir si tout le monde est prêt? Vous avez été pissé aussi? J'aurais pu vous ramener Tyrion, mais il s'est échappé. Si. Oui, j'ai quelque chose. Ah si, j'ai ça. Non, c'est Jamie qui vient. Titi. Tyrion, viens. Viens voir. Tyrion, viens. 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 Non, il va pas bouger. Sinon, il serait déjà venu. C'est bon? Really? Yeah. Are you ready, really, 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 ready? Yeah? Il faut. Oh my god. Oh my goodness fucking good. 3, 2, 1. J'ai pas envie de regarder. Dites-moi que c'est une bonne nouvelle. C'est une meuf, c'est une gonzesse. Les ovaires ont surpassé la quéquette. Oh yes, ça c'est bien. Du coup, il y avait quoi la dernière fois en pseudo, en wow. Hey, j'ai eu peur. En prénom, je sais plus. Ah oui, on avait Lazuli. Ah bah, j'ai envie de dire... Alors, Myrtille Bleue et Saphir Marine. Marine, c'est non. Aqua Céleste. Turquoise, je pense que c'est écrit. J'arrive pas à me relire. Lazuli, Nila, Sky. Est-ce que vous avez d'autres idées pour des prénoms? C'était Sky et Lazuli. J'ai envie de dire Lazuli et Céleste maintenant. Un Sky, c'est assez mixte en vrai. 18 000, c'est bravo, Niri. J'ai... C'est moi que j'ai gagné, nana. Ah, c'est vrai que vous avez dû... Bah ouais, parce qu'en en fait, comme il y avait plus de points de l'autre côté, vous êtes régalés, quoi. Ceux qui ont dit une fille se régalent, là. Agathe. Merci pour vos cul de points. Agathe. Agathe de la télévision. Épidore. Agathe, c'est bleu. Ah, ce que j'ai dit, il y a quelqu'un qui s'appelle... qui est connu, qui s'appelle Agathe. Je connais pas. Mais je m'en fous, moi, de cette meuf. Bon, une Agathe, ça peut être toutes les couleurs, en vrai. Est-ce que j'écris avec un H? Ah oui. Ah, je suis un peu stupide. Mais en vrai, ça peut être toutes les couleurs.
Vous avez pas d'autres idées pour les prénoms? En train de faire le souk lui derrière. Bleu. Ah, on peut mettre Facebook ou Twitter. C'est bleu. Ça fait ski ou whisky. Ah oui, remarque, ouais, j'avoue. Ouais. Vous savez quoi, je suis en train de peler. Ma pauvre petite peau qui a pris des coups de soleil. Bah ouais, je vais peler. Ça me gratte et puis là, je sens que la peau, elle est toute sèche. Elle est trop sèche pour être honnête. Je vais changer de peau. Vous voulez que je vous envoie des bouts de peau ou que je vous les vende? Un truc horrible. Mer, océan. Ah, il y avait Océane. Je l'ai pas noté. Je sais qu'on m'avait suggéré l'océan. Océane. Après, j'aime beaucoup Lazuli. Allez, Céleste ou Lazuli. Ça va se jouer entre ces deux prénoms. C'est vrai que Sky, j'aimais bien. Là, je trouve que ça fait trop... Ouais, je sais pas, j'aime moins. Donc quoi, avec le temps... Hein. Avec le temps, va. Tout s'en va. Allez, là, là. Non, on va faire un petit sondage, comme d'habitude. Je vais le faire. Vous êtes prêts, hein? C'est maintenant que son avenir se joue, hein. Quel prénom? Puis après, il faut prendre la prédit du deuxième ou pas. Alors, ce sera Céleste ou... J'avais dit quoi? Lazuli. Alors, pourquoi Lazuli? Parce que lapis lazuli. Comme la pierre. Qui est vraiment bleu pour le coup. C'est parti, vous avez une minute pour faire votre choix. Si vous ne voyez pas le bah, sur YouTube, ça sert à rien, vous le verrez pas. Mais sur Twitch, en tout cas, n'hésitez pas à refresh pour voir dans l'espace chat le petit, le petit sondage. Et c'est maintenant ou jamais. Salut Générousa. Non, t'as pas sub, Générousa. Tant que tu n'as pas une paire de fesses, ça ne sera pas sub. Je sais pas si tu l'as déjà été. Non, tu n'as jamais eu de sub pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour ça arrivera, hein. C'est, on sait pas. Hein. Pour l'instant, les gifteurs fous ne sont pas là ce soir. Faut pas que je les appelle trop fort, sinon ils vont arriver. Et ils vont rien dire, ils vont sub. Attention, il vous reste aucun temps. Et c'est Céleste qui a été choisie. Ah bah c'est joli, moi j'aime bien Céleste. Ça fait très... merde, j'ai pas écrit. Est-ce qu'on fait la petite prédit du deuxième bébou ou pas? Vous savez qu'en plus, hein, en deuxième grossesse, c'est très souvent... Enfin, sur le Legacy, c'était souvent le cas. Sur le Notso... on en a eu quelques-uns de jumeaux, mais moins que dans le Legacy. Legacy, j'en ai eu quand même 7 fois. C'est énorme. 7 fois sur 10. En tout cas, c'est parti pour la petite prédiction. N'hésitez pas à balancer tous vos points. Si vous y croyez dur comme fer, faire comme dur et surtout... Comme ma bite. Puisque vous savez que vous pourrez gagner des points ou en perdre. C'est... Après, c'est des points, hein, c'est gratuit. En tout cas, est-ce que bébé supplémentaire il y a dans le bidou de notre petite pom-pom d'amour? Ou alors, c'est finito. Bien sûr, si c'est encore... S'il y en a deux et que c'est encore une fille, je donnerai le deuxième prénom. Voilà. Si c'est un gars, ben, on refera un vote de prénom. S'il y en a un, évidemment, moi, je sais pas, ouais. S'il n'y en a pas, eh ben on s'arrête là. Il n'y aura pas plus loin. Il vous reste encore quelques secondes, 40 secondes pour voter. N'hésitez pas à balancer vos points. Pour l'instant, nous sommes à 32% non, pas de bébé supplémentaire. Et oui, encore, 68%. Ah, ça vient de basculer à 39-61. 61% pour le oui, encore. C'est vrai que souvent, c'est la deuxième grossesse, mais... Aïe, 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 il y a quelqu'un qui a balancé ses points dans les noms. Ça fait que maintenant, la cote est
pour le non à 52%, et c'est là, il vous reste 10 secondes. Donc c'est quasiment fini. Pour l'instant, c'est le non qui l'emporte. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est le non qui l'emporte à 52%. Vous êtes 11 à avoir voté non. 47 000 points. Le plus gros pari, c'est 20 000 avec Kéliac. GG à toi et coucou à toi. Et le oui, 48% avec 43 000 points de balancé. Vous êtes 6 à avoir participé. Et le plus gros pari, c'est qui suit ses 40 000 points encore? My god, mais t'as déjà perdu 40 000, tu rejoues 40 000, t'as pas peur quoi. T'as pas peur du tout. Bon, et bah c'est parti pour les prédits, hein. Ça a été lancé. J'espère des triplés. Oh bah ça, tu sais, ça m'est arrivé qu'une fois. Et j'ai pas envie que ça me... Oh, on va bientôt faire les 7 bambins. J'en aurai 7 d'un coup. Certes, je le sais d'avance, donc c'est pas une surprise. Mais quand même, 7 bambins. On pourrait commencer avec 7 bébés, mais c'est pas possible. Je pense pas qu'on puisse accoucher de 7 bébés. Faudrait essayer avec le MCC, en vrai. On devrait essayer. On va essayer ça, un jour. Dans les soirées défis, là. On va faire ça. Allez, c'est parti. On va savoir s'il y en a un ou deux ou 8 ou 45. Attendez que je clique au bon endroit. De toute façon, rien qu'au son, je saurai s'il y en a un autre ou pas. 3, 2, 1. Et il y en a qu'une. Et du coup... J'ai déjà perdu le sens, le truc des votes. Et il y en a... Ah ben c'est le nom qui l'emporte. C'est le nom qui l'emporte. Et je suis désolée, Kiki Sims, tu as encore perdu 40 000 fois. L'enfer. Si, le MCC, on peut mettre le nombre qu'on veut, mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible d'avoir 7 quand même? Est-ce que le... Normalement, le jeu est bridé pour en avoir 3 max. Après, c'est pas possible comme ça dans le jeu normal. Mais est-ce que le MCC, même si on en met 7, ça marche? Est-ce qu'il y en a 7 qui vont sortir? Donc on essaiera. En vrai, on essaiera. Et du coup, tous les gagnants du nom, vous gagnez énormément de points. Il y a 91 490 points qui vont à Kéliac et 10 autres personnes. J'espère que vous vous régalez. Normalement, comme c'était presque du kiff-kiff, vous allez doubler ce que vous avez mis. Enfin, je crois. Parce que je suis pas forte en maths, moi, alors. Eh, mais attendez, on a deux meufs, du coup. Je m'arrête là. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Eh, hey, tu bouffes pas mes chaussures? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? J'ai cru qu'il bouffait mes chaussures. On a deux meufs? J'arrête là, les bébés. Ça, je suis sûre que l'une des deux sera héritière. On teste après. Oh non, pas ce soir, mais à une soirée des filles. Ça peut être ce week-end. Peut-être. Oh merde, on a une fille. C'est un truc... Ah, oh, c'est trop cool. Ah, j'allais dire, elle est où, elle? Mais elle est là, elle est en train de dormir dans sa chambre. Et toi, t'es où? Elle va au boulot. Mais elle a pas le... La meuf, elle a à peine accouché, elle fait « Oh, s'il te plaît hein !» Alors quand le placenta qui fait schlac, schlac, schlac entre les jambes, pff, elle va taffer, hein, s'en fout. Hein. On teste les 7 gosses du coup. Oui, ouais, bah, mais plus tard, pas aujourd'hui. Bon, Anne, elle s'est fait plaisir, elle a récupéré plein de points. C'est marvelous. Toi, tu restes... Non, dégage de là, Jenny. Je veux pas que tu traînes là où il y a le câble. T'as déjà fait assez de conneries avec le câble d'internet. Tu me saoules. Tu touches pas. Tu vas pas là derrière. Ça suffit. D'accord? Je vérifie que je suis toujours connectée. Parce que moi, je sais plus. Une petite fille! C'est pas
Bah toi, hein, toi, t'as une boulette, toi. T'as une grosse boulette. Hein? On a deux meufs. Non. Et puis jamais 203. Ouais, mais là, ce sera 203, exactement. 102. Mais putain, il a tout bougé les câbles, là. Il m'énerve. Après ça m'étonne que j'arrache les fils. Non, mais assez bon, le Tekkos, il est passé hier. Tu vas pas, il va pas passer toutes les semaines. Hein. Oh, tu mords pas. Bon, il est énervé. Ce matin, j'étais même pas encore levée de mon lit qui commençait déjà à casser les couilles. Et il m'a réveillée une minute avant le réveil. Là, il commence à être mauvais, là. Mauvais, pas méchant, mais mauvais dans le sens où il commence à s'énerver et il n'arrive pas à se calmer. Ah, la petite, elle ronfle. Jamie, je t'ai dit non. Tu vois ça par là. Tu prends ton truc et tu te barres avec. Bref. Ah, super. Super, Céleste. Super, meuf. Est-ce que c'est la constellation que tu nous as fait dans la couche ou comment ça se passe? Il est beau, le tech. Ah, j'en sais rien. J'ai déjà oublié sa tronche. Je m'en fous. T'es pas là pour que j'admire son... Sa gueule, c'était là pour réparer ma fibre. C'est pour quand le coupage? Le 15. Tant que je comprenne. Eh, moche ta gamine! Non, c'est pas vrai. Eh, je suis sûre qu'elle aura les cheveux verts et les yeux de papa. Elle va faire le contraire que sa sœur. Bah oui, parce qu'elle aura pas les cheveux verts. C'est-à-dire que quand... un Sims a les cheveux d'une couleur originale qui n'est pas possible d'avoir en bambin, il va avoir une couleur aléatoire. Donc elle peut être blonde, elle peut avoir les cheveux noirs, elle peut avoir les cheveux roux aussi. Hein. Bah, d'ailleurs, elle a pas le même roux que son père, donc en fait, normalement, elle a les cheveux de sa mère. Celui, il est roux clair et elle est rousse foncée. Donc en fait, elle a les cheveux verts en fait. Je vais pas toucher à sa couleur et on verra quoi sera tout. Pas de soucis, entre les bisous, bonne soirée à toi. Bon, il est 22h30 encore, il est tôt, hein, les enfants. Alors, tu vas nettoyer, tu vas faire le ménage, tu vas servir le petit déj. Des œufs brouillés avec du bacon. T'es pas... Ah, elle est revenue. Bah, t'es crevée, hein. Travaille dans 3 heures. Mais attendez, il est 6h30 du matin. La meuf, elle est déjà partie au boulot. Il y a un... Pardon? J'ai pas compris un truc, là. Alors, je sais qu'elle est accro, elle est là, le truc bourreau du travail. Mais de là à se barrer juste après avoir accouché en pleine nuit, j'avais pas capté, moi. Je pensais qu'elle bossait tout simple, en fait. J'avais pas vu l'heure. Bon, ça suffit. Prendre son mal en patience. Prendre son patience en mal. Arrête de renifler, va dormir. D'ailleurs, j'ai pas enregistré, mais... Faudrait pas que je perde ma fille. Elle fuit ses gosses, bah je pense, ouais. Maintenant, c'est son mari qui s'en occupe, donc y a pas de raison. Mais j'avais pas capté ça, moi. C'est Jamie. Quand je vous ai dit qu'il commençait à s'énerver. Tu te calmes, Jamie. Ou je te calme. Pas où il est, mais il a dû trouver un truc à faire le con avec. Elle a découché à la normale et elle est bosser.
ta faim, bah regarde. T'as un onigiri-giri-giri de fougou. Pour que tu puisses mourir directement là. Et elle pue. Et elle pue. Elle se raccroche à la crasse. Elle chlingue comme une bécasse. Et elle a même pas bouffé son truc. Mais qu'est-ce que tu fous, toi ? Faites des gosses. Faites des gosses, mais abandonnez-les aussi. SimTube 91 SimFlouz, hein. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est pas contente. Parents désirables, rencontre un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Ah mais pourquoi je m'emmerde à faire le ménage en vrai? Il a juste à passer l'aspirateur, j'avais oublié cette histoire moi. Attends, il y a papa qui dort. Putain, va bosser. Oh, 10 000 de factures, il y a rien qui va, tout... Tout va mal à cette maison. Attends, au secours. Au secours, au secours. Je ne sais plus gérer les Sims. Ouais. Oh là là, ça fera 69 Sims, Flouz. Hein. Au secours, au secours. Vous l'entendez, bordel, Jamie? Ah non, mais je sais pas. Il a dû trouver un sac ou un truc comme ça. Je sais pas où je voyais pas. Tu pues, gamine! Ah, c'est pas ça, c'est... Donner un bain Nila. Non, non, lui, c'est... Non, c'est pas un quart d'heure, c'est une vie. Tchik, tchik! Je regarde la fin en replay, je suis épuisée. Pas de soucis, Chacha, des bisous à toi, bonne nuit. Et bonne nuit à Samantha également. À la prochaine. Eh, elle avait la petite. De toute façon, je pense qu'on n'ira pas très très plus loin. On est à 1h38, donc... Ah! Est-ce qu'on se cache dans le placard ou est-ce qu'on demande de l'aide pour le délai imminent qui va s'achever et que Pom-Pom d'Api n'aura pas assez de temps pour tout refaire? Est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on demande de l'aide? C'est bon de l'eau. Pardon. Mangez des pommes et buvez de l'eau. Ah, et bien vous avez un petit sondage qui a pop. Merci mon petit Marcelou. De mon cœur pour ce petit sondage express qui a popé. Bien sûr, malheureusement, YouTube, vous pouvez plus le voir parce que le truc est crassé. Hein, voilà. Mais c'est chiant. Mais en tout cas, moi, je le vois. Donc, c'est déjà pas mal. J'ai fini de boire. Ah, il y a Titi qui coin-couette. Qui coin-couette, mon cœur? Tu veux quoi? Il a vite fait coin-cointer, mais il coin-cointe. Attention, il reste plus rien pour voter. Vous avez voté quoi? Vous avez voté quoi? Le 2. Se demander de l'aide, ça me paraît beaucoup plus logique. Vous avez bien raison. Et c'est un gain de performance petit. Petit gain de performance. Douda, da, douda. Petit gain de performance. Oh, douda day. Encore? T'es sûr que j'ai une pub à passer? C'était où? Je l'ai pas... J'ai déjà passé deux pubs plus une quand je suis allée aux toilettes. N'oublie pas. Non. Oh, dis donc! Suffit, hein! Eh, petite conne, elle, hein! Ouais, elle... Attends, elle va taper une crise. Attends, papa, elle va taper une crise! Regarde-moi ça, cette petite saleté. Elle est pénible, hein. Qu'elle est moche comme ça. Bon.
Ça suffit! Jamie, il est insupportable. Bon, ça y est, c'est fini. J'ai fait tout ça pour rien! Super, merci, Nila, Adida. Ouais, tu vas prendre le pot à ta fille, je vais dire à ta sœur. C'est qui ça? C'est sa sœur? Madame la Duchesse. Oh, la Duchesse. Oh, petite... C'est celle tout à l'heure, j'ai pas entendu. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Ah, le doux son d'un enfant qui hurle à la mort. Je suis d'accord. Mettons-la dans le congélateur. Ça va les deux là? Ça s'amuse? Ah non mais ils jouent même pas ensemble. Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Il est en train de faire n'importe quoi dans la chambre, je le sens. Il va tout me casser. Oh, elle a fait caca! Elle a fait un gros caca qui pue. Et tu viendras passer un coup d'aspi? Elle est contente! Elle a fait caca dans le pot! Elle est contente. Voilà, elle est contente. Qu'est-ce que c'est? Et tu peux aller voir ta petite sœur. Tu vas, qu'est-ce que c'est, babillé? Ah non, c'est bien, moi je m'arrêtais à ça. Hein. Deux filles, je suis contente. I am happy, da-da-da, tis to find, and if I can open, da-da, close, I'm happy. En manque de travail, mais au travail quand même, mais énergie du travail. Mm-hmm. Mais bien sûr, Janine, tu as raison. Oh là là, je manque trop de travail là. Mais t'es déjà au boulot. Ouais, mais j'ai envie d'en avoir plus. Hello Irinka. I'm sorry, I don't speak Russian. Bizarre, ils sont toujours en train de... Ils essaient de parler, mais en fait, ils sont... Je vois. Bon, apparemment, la télé réveille pas les Sims quand ils dorment. Puis tu vas faire une sieste aussi, tout en vrai. Tout le monde à la sieste. Il est 16h, c'est pas l'heure du goûter, c'est l'heure de la sieste. Il a dit salut en russe. Ah. Privet. Moi aussi, je parle russe. Salut Louel, comment vas-tu? Vas-y, Tic-tic! Tic-tic! Tup-tup! Ça fait peur quand même ce truc. Ça va, et toi bien? Je penche. Non, il arrive pas à dormir.
Et c'est reparti pour un tour. Nani, nani, nani. Et 531 simflous de gagner pour notre pomme d'api. Oh, on est obligé de dire oui. Si on répond pas, on va pas dire oui. Oups, j'ai oublié de répondre au téléphone. Puis on y va et puis on se casse tout de suite après. Oh, c'est son fils, Guillaume. Guillaume Rainbow. Oh. Bon, je suis pas sûre qu'il soit mignon, mais ça va. Vous savez, il l'a fait avec elle, là. Ah bah attends, c'est parfait qu'on y soit parce qu'on va relancer un petit bébou. Clac ! Une petite fille. Super. Salut ! Ça va ? Bon, je devais aller me laver, mais tu m'as invité chez toi, donc en fait, c'est chiant. Et attendez, c'est le quartier où on habitait avec Toya ? Oh, je l'ai tellement bien faite en fonction du quartier que j'avais même pas reconnu que c'était celle-ci. Elle était juste derrière nous. Je dis non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Et je me dis, mais attends, elle est où notre maison en fait? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, merci beaucoup Loël pour ton follow. Bienvenue à toi. Rintinker. Vas-y, on va être insultante. Et il nous en manque toujours un? 1, 2, 3, 4. Ouais. Trop mignon. Oui, mais comment ça, elle pue? C'est pas vrai? Bouge, t'es, on fait ça, mon petit, là. On veut plus te parler, le Hulk. On va parler juste à elle et on va lui tataner sa tronche. Tu veux dire que sa mère c'est un lama? Parce que nous on aime pas les lamas en fait. Pas de soucis, Louis. T'es partout, Guillaume. Ah, mais Guillaume, hein, y en a partout des Guillaume. Mais elle parle encore à le Hulk là. Mais je veux pas qu'elle parle à le Hulk. Qui s'occupe de ses fesses. Tu sais, il regarde sa sœur genre... Ah, oh, sympa, ma sœur, elle vient se disputer avec la vieille qui vit chez nous. C'est trop cool. C'est trop bien. Allez, pousse là. Crie dessus. Bah. Oh, tu vas lui offrir un cadeau. Vous aussi, vous savez ce que c'est le cadeau. Un vieux paix dégueulasse. Parce que nous, on est malveillants, alors on aime les paix qui puent. On aime ça. Quand ça pue fort et c'est méchant, tu vois. On a ça dans le sang, tu le sais déjà. On aime offrir des bons gros pets qui puent sa mère l'été. Nous on aime ça, les gros pets purs qu'on offre comme ça. On pousse les gens, on leur crie dessus, on dit t'es ressemble à la ma. Il n'y a jamais d'autre Anne, je suis unique. Non, mais après, c'est les prénoms que... Dans les Sims, ils sont tout le temps... C'est Véronique, Chantal, Guillaume, Philippe... Ah, elle se déteste. Yes. C'est bon. On a nos 5-5. Même si elle crève dans 2 jours... On a nos 5. Allez, c'est bon, on rentre à la maison maintenant. On va se laver. Elle a de qui tenir pour l'épée qui pue.
Oh, tu insinues quoi? Que Toya puait du... On est où déjà? Ah oui, il y a une forme. Que Toya puait des fesses? Certes, il avait une petite addiction pour les toilettes. Ça veut pas dire. Et mon titi? Tu es beau. Il est beau, mon titi. C'est long, hein? C'est ça d'avoir 1200 swatchs en plus de couleurs, bah ça fait ramer. Hein. Ça fait ramer. Tu vas prendre un bain. Si tu le mérites, Janine. Oh. Oui, alors. Est-ce qu'il aime le fitness? On va dire oui, parce que sinon il se serait pas fit and form. Non, ça me rend dingue parce que en vrai, je lui ai demandé de prendre un bain, puis elle dit non parce qu'elle se plaint qu'elle pue pour finalement aller prendre un bain. Et ça me saoule. Oh, la jolie Robette! Et non pas les jolis Robert. Ça, c'est ce qu'il y a dedans, la Robette, les Robert. Eh oui, eh oui! La petite à la fin. Qu'est-ce qu'elle foutait dehors? Elle fait des gel tapin ou quoi? Ah, mais tu vas avoir à manger, tiens! Papa, il va faire à manger aussi. Servir le dîner. Ah! Qu'est-ce qu'on va manger? Des tacos au tofu. C'est bon pour toute la famille. Oh la coquine! Alors t'es contente, t'as eu tes 5,5 cocotte. On peut pas désactiver ses demandes d'aime ou pas, non. Enfin j'en pense pas. Oh tiens, j'ai un enfant. Quelle est cette chose qui baragouine à côté de moi là? Comment ça, c'est ma progéniture? Mais jamais je n'ai protégé quelqu'un qui que ce soit, voyons. Laver le bambin avec l'aspirateur. Oh merde! Ta Céleste qui s'est réveillée. Papa est demandé. Excuse-moi, maman, elle va pour une fois qu'elle interagit avec sa fille, en vrai. C'est Jane. Je crois que ça peut être Tyrion aussi, mais... Non, c'est Jamie, il est en train de saquer dedans. Jamie! Ah, ils feront pas un petit crac-crac, ils sont claqués, mais ils vont faire un crac-crac. Hein. Tu peux aller au pot, toi? Toujours pas. Bah, va dormir. Papa et maman, ils vont s'affairer dans le pieu. Et puis, ce sera très bien. Et je fais juste un crac-crac. Je vous vois dans le chat. Non, il y aura pas le troisième bébé. Non, 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 ce n'est pas compris au montage. Non, 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 enfin, au montage. Deux filles, c'est bien. C'est parfait. On peut décocher dans le CS les préférences. Ah. Bah écoutez, c'est sur ce petit crac-crac. Pourquoi ça monte? Oh non, hein, tu vas pas commencer à m'emmerder, hein, la caméra. C'est sur ce petit crac-crac de folie que nous allons nous quitter là-dessus, mon petit YouTube. Il est 1h55 de rediff. Je pense qu'il est temps. Il est venu le temps de se dire au revoir. Deux filles nous avons pour cette génération bleue. Va te coucher, tu m'agaces. Et deux filles nous garderont pour la génération bleue. Ah bah c'est recouché, vous avez vu? Elle était assise, pouf, elle est déjà couchée. Allez, je vous fais des gros bisous. YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Il va y avoir pas mal de petites nouveautés sur les lives, donc vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit. Et ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le Notre Sobri ou pour autre chose sur la chaîne. Des bisous. Ciao, ciao.